Bonsoir et bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. J'ai le plaisir, une fois de plus, de recevoir le professeur Kasongo Numbi qui va nous parler d'un sujet d'actualité. Professeur Kasongo Numbi, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Kibambi. Mais quand je me rends en visite chez des amis qui sont dans mon quartier ou qui sont ailleurs, je suis surpris par quelque chose qui contredit un peu ce que vous nous avez déjà dit. Toutes les parcelles sont pavées, passez-moi l'expression. C'est-à-dire, on met des pavés partout, alors que vous nous avez dit que c'était dangereux parce que ça ne facilitait pas la perméabilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à mes amis qui ont fait ça? C'est très très beau, j'admire. Mais je peux dire qu'on devrait les traduire en justice. Carrément. Pour avoir participé involontairement à la mort d'homme. Mais je m'explique. Lorsque la pluie tombe, elle se divise en trois parties. Une partie de la pluie, on voit la brume, elle s'évapore, elle part dans l'atmosphère pour retomber le jour suivant. Comme sur forme de pluie, oui. Et puis une autre s'infiltre dans le sol. Comme ça, elle constitue un réserve dans les nappes d'eau, qu'on appelle souvent nappes phréatiques, qui vont alimenter le cours d'eau pendant la saison sèche. C'est pourquoi beaucoup de cours d'eau ne sèchent pas pendant la saison sèche. C'est tout simplement, elle commence à écouler la réserve d'eau de pluie qui s'était infiltrée. Une autre qui nous intéresse aujourd'hui, la troisième partie, c'est le ruisselle en surface. C'est celle que nous voyons couler quand la pluie tombe. C'est celle-là qui doit être domestiquée, canalisée, parce que elle va déborder si le caniveau n'est pas de bonne dimension. Quand elle déborde, c'est des inondations qui attaquent des maisons et les maisons tombent et il y a des morts. Quand il y a des dalles ou quoi qui passent en dessous de la route, elle est collectée, elle passe en dessous de la route. Si elle a un grand volume, la route se coupe et ça peut provoquer aussi des accidents parce que quelqu'un vient, il ne sait pas que la route s'est coupé, il tombe dans le trou, il meurt. Alors, celui qui a augmenté cette eau volontairement est quelque part responsable de cet accident. Vous avez dit que quand on pave, on met des faïences qui brillent, qui sont colorées, c'est beau. Oui, un couteau aussi peut être beau et tué. Une balle de revolver n'est pas moche, elle est même bien pointue, mais peut tuer. Donc, je pense que on devrait les poursuivre. Mais c'est pour provoquer, mais c'est la vérité. Que celui qui augmente le ruissellement devrait répondre devant l'État. Parce que avait-il eu l'autorisation de bâtir qui figure dans notre arsenal juridique? Parce que cette autorisation de bâtir, entre autres, contrôle ce ruissellement. Là où vous n'avez pas encore bâti, toute l'eau qui tombe s'infiltre. Maintenant, quand vous y construisez une maison, vous empêchez l'eau de s'infiltrer à cet endroit-là. Elle ne va pas s'évaporer parce que l'atmosphère est saturée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller en ruissellement. Vous qui avez construit, avez-vous eu l'autorisation de bâtir? C'est-à-dire, le ministère d'urbanisation, ce ministère
devrait savoir les ouvrages de drainage, donc les caniveaux de chaque quartier, sont dimensionnés pour écouler combien de mètres cubes par minute. À ce moment-là, quand vous construisez votre maison, vous allez empêcher l'eau de s'infiltrer. Est-ce que les caniveaux d'à côté sont dimensionnés pour accueillir cette eau que vous avez empêchée de s'infiltrer? Non. Alors, comme ils n'étaient pas dimensionnés pour recevoir l'eau de l'endroit que vous avez imperméabilisé, si cette eau que vous avez créée de toutes pièces, non, si ce ruissellement que vous avez créé de toutes pièces volontairement cause un dégât, quelque part vous devez être responsable. Supposez, M. Kibambi, vous avez un produit toxique que vous jetez dans l'eau, il coule, les gens qui vont boire cette eau ou qui vont se laver dans cette eau ont des accidents. Vous êtes responsable, oui ou non? Tout à fait. Vous êtes responsable. Les Angolais ont pollué nos rivières, je ne sais pas où on en est, mais tout le monde s'est plaint, je crois notre gouvernement s'est plaint auprès du gouvernement angolais. Je crois que celui qui provoque sciemment l'infiltration et le ruissellement devrait répondre des dégâts causé par son acte. Mais vous savez, professeur, je crois que ce genre d'émission devait être multiplié parce que je crois qu'on est inconscient. Vous savez, je vais chez un ami, je trouve que chez lui c'est beau. Et à cause de votre faute, moi je ne fais pas ce que font les amis parce que vous m'avez dit que ce n'est pas bon. Et subitement, chez moi, ce n'est pas beau. Non, vous savez, aux États-Unis, dans beaucoup de pays développés, on laisse des espaces pour favoriser l'infiltration. Mm-hmm. Même à l'époque coloniale, on a vu beaucoup de parties de nos vies, de nos quartiers, Lemba, tout ça, où il n'y a rien, où il y a des écoles, terrains d'enfants et tout. Mm-hmm. Ce sont des espaces faits exprès pour favoriser l'infiltration. Comme ça, quand l'eau de pluie tombe, au lieu de ruisseler, aller couper les routes et tuer les gens, s'infiltre là-bas. Malheureusement... Ou déborder d'ailleurs et déranger les classes ou les... Voilà. Nous tous, on a vu ça. Même si vous jouez, vous êtes enfant, vous jouez là-bas au football, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'eau. Mm-hmm. Vous attendez un peu, cette eau disparaît et vous venez jouer. Parce que cette eau allait partir et causer des dégâts. Mais ce qui a causé la ville, l'eau amenée là-bas, domestiquée là-bas, vous allez jouer au football, vous attendez quelques minutes, ça s'infiltre et vous commencez à jouer. Donc, ça ne cause du tort à personne. Maintenant qu'on l'a loti, c'est parti, on les a, pour utiliser les termes consacrés, on les a imperméabilisés. Lorsqu'on les imperméabilise... Il faut que les ouvrages suivent. Normalement, on devrait détruire tous les caniveaux d'à côté, non, jusqu'à l'exutoire. Hein. L'exutoire, c'est-à-dire la sortie. Le fleuve. Oui, oui. Parce que si vous augmentez seulement dans votre quartier, là où ça va aller, on n'a pas adapté les dimensions, ça va déborder là-bas. Donc, normalement, quand on imperméabilise un endroit, les hydrologues devraient venir dire que cette imperméabilisation, donc construction de maisons, construction de routes, tout ce qui empêche l'eau de s'infiltrer, les hydrologues devraient venir évaluer. C'est autant de mètres cubes par minute qui vont maintenant ruisseler. Les ouvrages d'à côté peuvent les drainer, oui ou non? Dire oui, ça peut les drainer, mais il ne faut pas qu'on dépasse. Alors, on informe le responsable
que l'autorise, vous ne donnerez plus l'autorisation de bâtir à cet endroit qui dépasserait autant de mètres carrés pavés. Maintenant, le pavement sera quoi? À l'embellissement, mais même un embellissement dangereux, parce qu'on peut, ça facilite aussi le glissement, qu'un enfant peut glisser, quelqu'un peut glisser et tomber. La pelouse, moi, je pense qu'elle embellit aussi. Du bon gazon, bien tondu et tout, ça peut embellir une parcelle. Et à ce moment-là, ça permet l'eau de s'infiltrer. Donc, en fait, d'une pierre deux coups, on a une bonne tondeuse qui rend chez vous propre, agréable. Et puis, ça permet aussi à l'eau de s'infiltrer. Donc, vous ne détruisez pas la route, vous ne détruisez pas les écoles. Mais si vous y tenez à paver, eh bien, vous devez, on doit vous conseiller de paver avec une petite pente qui draine l'eau à un trou que vous allez créer. Vous avez creusé un trou quelque part, même à un endroit caché, vous pouvez l'entourer de fleurs, de bougainvilliers et tout. L'eau, vous avez pavé avec des conseils pour que toute l'eau qui tombe sur votre pavé avec une faible pente va dans ce trou et ce trou va permettre l'infiltration. Donc c'est par ignorance que certains amis font ça. Et pourquoi les architectes ne nous conseillent pas tout ça? Il faut qu'un C'est de l'hydrologie. C'est pourquoi l'eau, c'est vrai, c'est un bien commun. C'est pourquoi je vois beaucoup de gens qui parlent, qui interviennent sur l'hydrologie. Un sujet qu'on avait débattu avec vous dans les années 98, je crois, c'était est-ce qu'on peut transférer l'eau du fleuve Congo, du bassin du Congo, je veux dire, à d'autres bassins, notamment le plus pressant, c'était le bassin du lac Tchad. Mais j'ai vu beaucoup de gens parler. Mais quand je vois, est-il hydrologue? Il ne l'est pas. C'est comme si moi, il y a un débat sur la médecine, je me mets devant pour parler médecine. Il y a un débat sur l'architecture, je me mets devant pour parler architecture. Non, il faudrait se former pour quantifier la quantité d'eau, enfin, tautologie, qui va entrer dans un caniveau, c'est un hydrologue. Parce qu'il va d'abord mesurer les taux d'infiltration de pluie et l'intensité. Qu'est-ce que je veux dire? S'il tombe, par exemple, 4 litres par minute, mais le sol ne peut absorber que 3 litres par minute, il y aura un surplus. Un litre qui va ruisseler. Mm-hmm. Donc l'hydrologue va connaître combien la pluie donne par minute et cette capacité du sol et de l'argile qui permet une faible infiltration et c'est un sable. Qui permet une forte infiltration. Donc un hydrologue va d'abord faire ce qu'on appelle un bilan hydrologique, dire il va tomber autant de millimètres par minute et il va s'infiltrer autant. Professeur, pour dramatiser, au regard de la réalité dans laquelle nous vivons avec des inondations, nous sommes donc quasiment tous responsables de ces inondations. Tout justement. Vous allez voir des images que Paris, il y a inondation, New York, il y a inondation. Mais c'est calculé par les hydrologues. Les hydrologues peuvent dimensionner parce que les ouvrages ne peuvent quand même pas prendre des dimensions infinies. Mm-hmm. Les hydrologues disent que si nous mettons 40 cm de profondeur, 40 cm de largeur au fond de caniveau, ce caniveau va déborder tous les 15 ans, tous les 20 ans, une fois.
C'est comme ça que vous pouvez voir que Paris aussi a inondation. Mais c'était calculé que ça va revenir tous les 20 ans. Mais comme chez nous, ça commence à revenir à chaque pluie, il y a un problème. C'est-à-dire les ouvrages ne sont plus adaptés à... Parce que la plupart d'ouvrages avaient été construits... Oui, du temps de la colonie. Quand Kinshasa avait 500 000 habitants ou quoi. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes ouvrages qui vont drainer l'eau de 10 millions d'habitants, chacun imperméabilisant comme il veut. Un jour, vous m'avez même dit, M. Kibambi, qu'on demande l'autorisation à Lubumbashi de bâtir. Oui, mais à Kinshasa, on ne demande pas. Je ne sais même pas à Lubumbashi où on demande, c'est déjà ça. Est-ce qu'il tient compte de toutes ces remarques de toutes ces autres qui seront créées. Mais au moins, il y a ça. Vous m'avez dit qu'à Kinshasa, ce n'est même pas demandé, mais c'est dans l'arsenal de notre... Moi, j'ai parlé de mon cas. Quand j'ai construit ma maison, on m'a rien demandé. Ben, à Lubumbashi, on vous dit d'arrêter tout de suite parce que... Non, je sais qu'à Lubumbashi, c'est peut-être parce que nous sommes à côté des anglophones qui sont très rigoureux. À Lubumbashi, il y a même l'autorisation, le stationnement. Donc, donc, le droit de stationner. Donc, quand vous n'avez pas ça, la police vous arrête. Hein. Ça a commencé à venir un peu ici, je crois que ça a été, je ne sais pas pourquoi. Aussi, la police commence à demander. Non, à un certain moment, autour d'un certain nombre d'hôtels, quand vous veniez stationner, vous voyez une demoiselle qui venait. Non, ça c'est privé. Moi, je parle d'officiel, la police vous arrête. Donne-moi le permis de conduire, donne-moi la carte rose, donne-moi l'assurance, donne-moi le stationnement. Vous allez à Lubumbashi organiser de telle sorte que vous n'allez pas payer partout où vous stationnez comme en Europe, mais vous payez le stationnement. Comme ça, vous avez payé tous les stationnements que vous allez faire dans la ville. Donc Et ça existe jusqu'à aujourd'hui? Oui, on demande ça. À Lubumbashi, la police vous demande la carte rose, le permis, l'assurance et le stationnement. En conclusion, qu'est-ce que nous disons aux compatriotes qui aiment bien le pavement, que les pavés. Pour les amis qui doivent imperméabiliser, eh bien, qu'ils creusent un trou, qu'ils demandent de service. On peut le donner gratuitement, hein, le service, parce que les dimensions, la profondeur du trou doivent être aussi calculées. Oh. On va dire que chez vous, ici, il y aura autant de mètres cubes qui vont entrer dans le trou. Si le trou est rempli, il y aura encore débordement. Donc, ça doit être calculé. Vous voyez, c'est des pays en voie de développement. Vous faites bien, vous aimez ça, des émissions scientifiques. Mais vous connaissez... Et les sociales. Vous connaissez, M. Kibambi, une grande puissance qui n'est pas économique. Un pays qui est une grande puissance qui n'est pas économique. Non, la puissance d'un pays est évaluée par son économie, son PIB. Les États-Unis ont PIB supérieur, et puis vient la Chine qui est la deuxième puissance. Or, le développement qui produit cet argent, je regrette, c'est scientifique, économique, technique, etc. Donc, quand vous organisez des émissions comme Chassons la pauvreté, etc., vous avez organisé cette émission, ces débats des transferts des lots en 98. Et comme RFI l'a repris pour le passer en boucle, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en exil, vous voyez, 98, c'est après 97 où beaucoup de gens étaient en exil. Alors, ils m'ont dit, nous étions très contents de vous entendre avec Kibambi, et ça leur donne un peu la nostalgie de leur pays. Et puis, on a fait, au début des années 2000,
l'émission sur l'hydrogène, que notre pays sera un pays d'hydrogène. Vous avez suivi l'interview du chef de l'État qui dit que tout le monde demande que Fortescue s'ouvre. Fortescue, c'est la société qui va produire de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a permis que la RDC soit debout. Avant, c'est nous qui étions à genoux, demandaient aux gens, prenez notre courant, prenez, parce que le courant, vous ne trouvez pas de preneur. Prenez notre courant, prenez notre courant. Mais avec vous, déjà au début des années 20, je crois que c'était en 2005 ou en 2000, combien, on a fait une émission que le pays peut produire beaucoup d'hydrogène. Maintenant, c'est, comme l'a dit le chef de l'État, c'est tout le monde qui demande. Donc, rien que le fait que nous avons changé de posture, nous ne sommes plus à genoux pour supplier les gens de venir construire des centrales hydroélectriques, c'est non. C'est nous qui sommes debout et c'est les autres qui se disputent. Donc, c'est, les émissions scientifiques sont aussi utiles. Merci, professeur, de vous être dérangé pour venir instruire la population. Moi, quand j'ai remarqué ça tout de suite, je me suis dit, il y a un hydrogéologue qui est là. Hydrologue, là, je parle comme hydrologue. Oui, mais vous êtes hydrogéologue. Oui, oui, mais on ne peut pas faire les eaux souterraines, c'est-à-dire l'hydrogéologie, sans l'eau des surfaces. Oui, mais écoutez, je donne votre titre entièrement. Celui qui ne veut pas qu'on donne son titre entièrement veut qu'on exagère encore. Merci, professeur, d'être venu. Vous êtes venu. Taquin. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie, d'ailleurs. Ok, au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on rit. Mais après, on dira, inondation, ça va à l'hôtel, l'abissou Macambo. Non. Le recteur m'a même dit, parce que je lui ai dit, on peut faire ses études, je vous interromps, le recteur Kayembe qui est là m'a dit, professeur, vous savez comment on explique pourquoi la route de l'université se coupe par le ruissellement? Il dit, tout le monde explique que Ezabandoki. Ah bon? Oui, oui. Alors que c'est ça. Il y a, je crois, 2 semaines. Donc, je lui ai demandé une audience, il dit, professeur, l'université doit étudier ça, expliquer ça aux gens et aux décideurs, parce que tout le monde dit que ce sont les mauvais esprits ou les sorciers qui font couper les routes, qui créent les inondations. Non, les sorciers, c'est les gens qui pavent. Un homme intelligent, le professeur, le recteur aujourd'hui, un médecin de grand renom, qui a sauvé beaucoup de gens de la Covid, moi aussi. Merci, professeur, d'être venu et complimentez-nous, le professeur. Le recteur, je vais le lui dire. Merci. Parce que lui m'a dit, l'université doit expliquer ça. Parce que. Mais voilà, l'université vient d'expliquer. Merci beaucoup. Au revoir.